Salut mes lapins, mes loulous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit test. J'ai acheté sur AliExpress 3 leurres pour 10 euros maximum, donc toute livraison comprise et tout. J'ai voulu m'amuser à essayer de prendre des leurres qu'on connaît un peu ici et d'autres pas du tout. Donc, c'est pas des leurres non plus super waouh, mais je voulais absolument les essayer. Donc, j'avais en premier une petite araignée comme ça là. Je sais que l'Unkerhund ou un nom comme ça le fait déjà. Donc du coup, bon, c'est une sous-marque, il y en a pour 2,80 €. Donc je vais absolument essayer, elle est prévue pour 8 grammes. Voilà, j'ai aussi pris une petite Freuil comme ça, avec un seul Texan monté à l'arrière, et avec des petits poils un peu partout et tout. Donc pareil, donc c'est 45 mm. Après, elle est prévue pour 5 grammes, 5 ou 6 grammes, je crois, celle-là. Voilà, donc on va essayer ça aussi. Et enfin, un petit leurre de surface, comme ça, une petite abeille qui nage à 60 cm de profondeur. Donc une petite bavette à l'arrière. Et puis il y a une palette. D'accord. Il y a une palette dessous. Ça s'appelle dessous le leurre. Et il y a un petit froufrou à l'arrière. Donc je vais la démonter, puis on verra après. Donc, je vais vraiment essayer ces 3 leurres aujourd'hui. Et pour moins de 10 euros sur AliExpress et voir ce qu'il en est, quoi. Donc c'est parti. Allez! Du coup, pour commencer, je vais partir sur une toute petite canne, la Caperlan, la moins chère, 6 euros. J'ai pris cette petite canne d'1,80 m là. On va essayer de lancer. On va commencer. Hop, je prends au hasard par l'araignée. Et c'est parti. On monte ça. Et let's go. Je prends, hop, petite araignée. Elle n'est pas très grande. Hein. 4,5 cm, je crois. Hop, alors ici, il y a du basse et du brochet. Plutôt bien, par contre, vu que j'ai un bas de ligne en titane, mais si je mets un peu le bec dans l'eau, c'est dommage. Il est un peu lourd, j'aurais dû l'enlever, mais je vais tout juste enlever mon balai en acier, je pense. Si un brochet, tant pis, mais j'ai pas de balai fluoro. Je crois que. Oh putain, il me l'a emmené. Oh, c'est pas vrai. Ça, c'est pas gros. Je le sens au bout. Oh non. Oh, il me l'a emmené dans les nénuphars. Ah, je le sens. Allez. Oh,
Oh putain, premier. Quelques temps qui se... Oh putain. Il est au bout. C'est un petit black. Un petit bass. Allez, viens. Ah putain. Oh non. Comment je vais faire moi là? Oh, je peux lui servir la gueule. Je le sens plus. Je le sens plus au bout. Oh putain. Comment je vais faire ça moi? J'ai bien le grappin mais... Putain. Ah, ça y est. Bon par contre... Il a lâché le con. Ouais. Bon. C'est sur ce petit leurre là. Vous voyez là, hop. Une petite queue à l'arrière, une paillette dessous. Un triple. Avec un petit froufrou là. Donc on va voir ça tout de suite. Ça, ça donne, je sais pas. Hop. Ça donne. Une petite abeille là où je sais pas si c'est celle. Hop. Ah oui! Oh, ça va super bien ça! Ça nage super bien! J'essaie de se mettre ici là, dans le creux. Allez hop, on part sur la petite gurneuil, la petite frog. Allez où, on va voir ce que ça va donner. Ah là d'accord. Elle flotte. Bonjour.
Et il a loupé. Tu vois cette photo? C'est signe que tu regardes mes vidéos jusqu'au bout. Et pour te remercier, je peux t'offrir un de ces trois leurres. Il y aura trois lots. Si tu veux l'araignée, tape 1. Si tu veux le petit leurre, frelon ou abeille, tape 2. Ou la frog, tape 3 dans les commentaires en dessous de la vidéo. Je prendrai 3 noms au hasard et je vous enverrai ces liens. Ces leurres, même si je n'ai pas fait de poisson avec. Allez, salut!